Bonne nuit, Miwatch, pour commencer. Et les gens, bienvenue sur frappstjeu.fr ou sur mon blog tissant3.fr. On se retrouve ici pour une nouvelle vidéo, une nouvelle rediffusion sur le jeu God of War sur PlayStation 4. Un jeu qui m'a été offert par Gros Doudou, encore une fois, merci. Nous sommes cette fois-ci le 21 avril 2018. Il est 2h24 du matin. C'est parti, on continue. Normalement, tous les sons sont activés. Il suffit d'enlever l'ardoise et on est bon. On est bon pour y aller. Top. Top, et voilà, on y est. Découvrons un nouveau monde qui a trop la classe pour le moment. On sait pas à quoi s'attendre. Donc déjà, c'est pas un lac, c'est on dirait une immense forêt. Quelque chose brille dans ce nœud, tu vois? Ah ouais, je vais arriver, gamin. Attends. Laisse-moi le temps de regarder un petit peu ce qui se passe autour de nous, quand même. Par contre, je ne vois aucun moyen de descendre sur les côtés. Je crois que tu l'as tué. J'avais pas spécialement envie, ça me plaît pas de faire ça. Wow, pourquoi ils ont fait ça? Ça ne nous regarde pas, Atreus. Concentre-toi. On a eu un son bizarre là. Oula. Oula 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 oula. Ils sont pas tout. Ils sont pas de premier ordre, hein. C'est quoi ces gens? Ils sont pas très jolis jolis hein, leurs elfes, si c'est des elfes. Viens voir ici. D'accord. Qu'est-ce que ça dit? Ça parle d'une guerre éternelle pour la lumière. Je comprends pas, s'ils en ont tous besoin, pourquoi ils la partagent pas? Par cupidité, tu apprendras vite qu'elle est à l'origine de bien des guerres. Ça a rien ouvert. Je vais l'essayer au moins une fois pour voir. Ah, le coffre. Merci. C'est pour la bonne cause. Oula. Ah, il y en a un vivant, il y en a un vivant. Non, 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 non. Il continue de tuer les elfes blancs. Ça reste une guerre. Même si elle est sur la fin, des dépossédés ont perdu. Oh. Elfe noir! Attention, nouvelle. Attention, élimine. Mais non, on en connaît trop. Ah non, c'est un nouveau, c'est un nouveau. Vas-y, vas-y. Ah, ça fait plaisir. Par là où ça passe, il est où l'autre? Il est où? Pourquoi est-ce qu'il nous attaque? On leur a rien fait. Il en viendra d'autres. On est au mauvais endroit, au mauvais moment, copain. Symbole Oméga. La forme de l'étui pour la hache, j'ai pas fait gaffe. Contrairement aux elfes blancs d'Alfheim, les elfes noirs préfèrent les lieux sombres. C'est peut-être pour cela qu'ils veulent couvrir la lumière. Ils volent, sont intelligents et coordonnés, plus que nos précédents ennemis. Les armes sont efficaces de près comme de loin, un peu comme de la hache de père. Okay. Bah, ça vaut rien. Sur cette matière, au juste. Oh, le pauvre. Bah oui, écoute, je suis ton père. Je suis miraculeux. Viens le bonjour là-dedans. Tu m'as parlé? Non. Oh, d'accord.
Attends, il y a un coffre. Il y a là. Viens donner un petit coup, s'il te plaît. Rapproche de la lumière. Quand une tâche est à proximité, cherche les indices dans la zone. Eh, mais c'est Sindri. Va falloir faire un boomerang là, monsieur. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Comment es-tu arrivé ici, nain? Notre chemin était censé être le seul entre les royaumes. Le seul pour vous, peut-être. Mais nous autres, les nains, sommes pleins de surprises. Ce n'est pas une réponse. Oh, laisse-toi émerveiller. Il reste si peu de mystère quand on a emmagasiné autant de savoirs des arcanes que moi. Trouver des ressources rares dans les royaumes, en faire des créations qui défient l'imagination. Pour les non-initiés, cela semble certainement magique. Bon... D'accord. C'est magique. Là, t'es content? Eh, hey, putain, c'est magique. Sindri, t'as toujours été aussi... Propre? Si seulement. Mais non, j'étais aussi crasseux que n'importe quel nain, jusqu'à ce qu'une sorcière vanne me remette sur le droit chemin. Grâce à sa magie, elle a découvert qu'il y avait des centaines de milliers de petites bêtes qui vivent autour de nous. Ah, si minuscules qu'on ne les voit pas. Non. Je t'assure. Et si elle rentre dans ton corps, elle te rend malade. Mais la sorcière m'a dit qu'il y avait un bois, le chêne, qui était un répulsif naturel et qui empêchait ces sales bestioles de se répandre. Depuis, toutes mes poignées sont en chêne. Je pense à tout, tu vois. Allez, je dois me remettre au travail. Comment ça se fait que Brock soit bleu et pas toi? Atreus! Non, ça va. C'est une très bonne question, à vrai dire. Et vois-tu, mon frère n'est pas aussi prudent que moi. Il préfère travailler les métaux... Ah, à main nue, sans gants. Il affirme que c'est le seul moyen pour lui d'entendre les matériaux parler. Seulement, à force d'être au contact de l'argent pur, la peau s'altère irrémédiablement. Ça veut dire pour toujours. Il vaut ne pas lui vous parler. Tu sais à quel point il est susceptible. J'imagine que ça se tient. Donc en fait, il est bleu parce que c'est pas un schtroumpf. Sindri, pourquoi tu te réconcilies pas avec ton frère? Pourquoi? Quelle question. Parce que c'est une insupportable tête de mule, incapable d'évoluer. Parce qu'il dit des choses affreuses sur mon compte, pour masquer ses complexes vis-à-vis de son travail qui, disons-le, laisse totalement à désirer. Et parce qu'il m'accuse de choses que je n'ai pas faites. Hein? Comme quoi? Tu veux bien m'excuser? J'aimerais reprendre mes esprits. Je crois qu'il veut pas parler de tout ça. C'est tout, on a fini les conversations, d'accord. Ok. Mais en fait, je suis en train de calculer que si je fais comme ça... Attends-moi. Et voilà, c'est qui le patron? Par contre, j'entends un crapaud bizarre qui fait du bruit. Non, c'est un cadavre d'elfe. D'elfe qui a plus beaucoup de grand chose à donner en fait. Bon, un tronc d'arbre c'est pas grand chose, alors un bateau. Pourquoi il le pousse? Tu sais, le mec il aurait pu le pousser. Ah, mais d'une main, d'accord. Okay. Qu'est-ce que t'as dit? Je n'ai rien dit. Ah bon? D'accord. C'est la première fois qu'il demande la... qu'il pose la question. La hache améliorée, alors du coup on a fait demi-tour. Ta mère t'a-t-elle parlé de ce royaume? Pas vraiment. Elle m'a juste dit que le fait que les elfes se battent pour la lumière les isolait. Je suis coincé dans le décor, il m'a coincé dans le décor le mioche. Sérieusement?
désolé, je t'ai cassé une chose, mais en même temps, j'avais plus le choix. Les pierres de résurrection. Acheter des pierres de résurrection pour permettre à Atreus de ressusciter Kratos. Sympa. Avec une petite partie de ta santé, appuyez sur carré quand Kratos meurt pour qu'Atreus. Ça coûte pas très cher en plus pour l'instant. Alors, un commun, pierre magique. Alors, j'imagine que celles qui sont légendaires rapportent toute la vie. Ok. J'ai pas l'impression qu'il y ait vraiment de moyen. Ah, si, on peut l'améliorer. Flamme de glace. Mon frère est touché. Mais s'il le fait, dis-lui de recuire l'acier plus longtemps s'il ne veut pas abîmer mon travail. Qu'est-ce qui a attiré ton regard? Ah, que désires-tu? Pourquoi pas? Tu veux dire qu'il faut que j'économise l'XP ou je dois tout simplement commencer à dépenser pour avoir accès à quelque chose d'intéressant? Waouh! Améliorer cette armure pour ajouter un emplacement d'enchantement et augmenter ses stats. Je sais même plus ce que j'ai cité en deuxième idée. Que j'en achète, c'est ça? Donc il faudrait que j'achète des trucs. Allons. J'aime pas te faire une bêtise par hasard. Un tour. Enfin, pas s'il fait un tour. Ah, tunique, on l'avait déjà vu. Jeune Atreus, que puis-je pour toi? Bien intéressant. Ça pourrait être intéressant, genre de choses. Comment ça, le dos, c'est la vie? T'as envie de partir te coucher, c'est ça? J'hésite. Je sais même plus à combien c'était celle que j'avais. Que tu pourrais essayer de ne pas la salir. Non, 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 mais c'est bon, hein, moi je disais ça, c'est... Non, non, je dis ça, je dis rien. Hein. Le compteur de mort, un coup de fatigue, oui, j'imagine. Mais je vais peut-être pas tarder non plus, oui, on va regarder.
Ça, du coup, je peux mettre une rune à l'intérieur. On avait déjà posé une rune. D'accord, je pensais aller dans compétences du coup. Ça, ça me plaît bien. Ça, c'est quoi? R1. Ça, ça me plaît. Pour pouvoir choper un truc en plus, ça peut être très intéressant. Compétences cachées, pour l'instant on l'a déjà amélioré à fond. De quoi? Salut Ilpharon. Pharaon, bienvenue à toi. Sur le jeu? Ben franchement pour le moment c'est très très appréciable. Après j'ai toujours un petit peu mal avec ce type de gameplay, mais ça c'est très très personnel. Le jeu est plutôt beau, même si je le trouve pas non plus extraordinaire, ça reste quand même assez joli. Il y a des moments où on se dit waouh, c'est carrément classe. L'ambiance est très très sympathique au niveau de l'histoire et de la façon dont c'est présenté. C'est-à-dire que ça pète la classe, c'est vraiment épique à ce niveau-là. Et il y a des moments où on est à fond, il y a l'adrénaline qui vient se charger au maximum. Il y a notamment eu un combat quasiment au tout début du jeu contre un personnage qui m'a rendu très curieux pour la suite. Et qui du coup était vraiment impressionnant. Moi qui suis pas super fan de Dragon Ball par exemple, j'ai trouvé que le combat avait une dimension épique comme Dragon Ball. Où tu sens une puissance des coups extrêmement violente. C'était très 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 appréciable. Après là j'avoue que ça change un peu des précédents God of War dans le sens où forcément ça évolue, on est un peu plus dans un RPG quelque part ou dans un action RPG, et du coup comme tu peux le voir il y a des tableaux de compétences, il y a différentes choses à gérer, des trucs à ramasser, fouiller un peu plus le décor etc. Donc ça change quand même pas mal de ce qu'on a pu l'occasion de voir jusqu'à présent. Gameplay. Quoi gameplay? Est-ce que je dis gameplay, ça te dérange? Non, franchement, c'est extrêmement sympathique, je trouve. Après, j'attends de retrouver un combat aussi épique que celui qu'on a vu au début du jeu. On vient de changer de monde, et donc je me dis qu'il y a quand même 9 mondes à visiter, sûrement. Ou peut-être 8, on verra bien. Mais il y a de quoi faire. Donc ça reste être assez violent, assez long. Mais là, du coup, là, toutes ces petites améliorations, cette gestion de l'équipement, etc., c'est pas forcément super intéressant dans un God of War, quoi. Mais sinon, pour l'instant, le jeu vaut le détour. Franchement, ça passe bien, bien. C'est extrêmement agréable. Alors BG, c'est passé comment ce live? Oh non, pas lui. Bon, le gamin est avec nous, parfait. Alors, où on va? Je vois qu'il y a une loupiote là. Ding dong! Rosée de récupération d'Yggdrasil, épique. Bois la rosée de l'arbre monde procure des bienfaits durables. La récupération augmente de 2 points de façon permanente. Donc c'est de la drogue. Dyslexie. On essaiera de faire des efforts, promis, Léger, pour la prochaine fois. Ah, il y a un endroit où on peut aller ici. Je sais pas si c'est par là qu'on est censé aller ou pas. Monsieur qui tentait quand même de s'endormir sur mon live. C'est mignon. J'ai envie de visiter. On ne sait jamais. Quoi?
Non, je n'ai rien dit. Étrange, j'étais sûre que t'avais parlé. Qu'y a-t-il, Atreus ? Les voix ! Tu les entends pas ? Je n'entends rien. Elles ont disparu. Comment ça, toujours aussi ? Il y avait des cris. Et plein de voix. Ah, j'ai galéré en relançant le live. Sur le jeu. T'as vraiment rien entendu ? Non. Elle paraissait... maléfique. Bon, étant donné qu'il vient de se passer un truc, je me dis que je vais faire demi-tour. Que je vais retourner vers la zone où on était tout à l'heure. Et on va aller voir ça. Donc franchement, je galère. Je râle alors que c'est moi qui joue mal. Mais sinon ça va. Je m'améliore petit à petit. Je reprends des bases un peu plus appropriées. Et on peut pas descendre ici. C'est juste pour faire bon. Bah comme ça j'ai pas le choix. C'est pire que si je lance. Il manque un mot j'imagine. Non mais franchement, tu m'aurais vu sur le premier combat, enfin le premier combat contre un humain bizarre. Je l'ai géré au départ le combat. Hein. Il y a même deux ou trois combats que j'ai réussi à gérer depuis qu'on a commencé. Hein. Non Isa, non. Regarde, on ne m'abandonne pas. Non. Mais ils ont peut-être besoin d'aide. Tant qu'ils n'essaient pas de nous arrêter, ça ne nous regarde pas. Mais j'ai dit que ça ne nous regardait pas. Ah mais Kratos quoi. Comment ça chez l'éponge? Bah ouais. Il en a marre de compter. Voilà, Isa est désormais loin du clavier pour envoyer des SMS. Encore des gens morts. On vient de croiser deux gens vivants et on croise des gens morts après. Ouais, on va peut-être pas abuser non plus, quoi. Ouh, j'adore ça. Des visages. Des visages géants, c'est magnifique. Bonjour, incroyable. Madame. Ça doit être le temple en forme d'anneau. Bienvenue dans Halo. Ah ouais, non, mais pas encore un grand lac, c'est agaçant les grands lacs. Aïe, Mr. Joker. Il y a des vasques de sable à Alfheim aussi. Quelle est la question? Sans moi ou en moi, ta mort est sûre. Mais en toi, je rends la vie plus pure. Mais je vois pas d'autres runes ici. Retournons au bateau. Allez, c'est parti. À la recherche des runes magiques. Bon, ça me choque pas. Ouais, Mr. Joker. In the title. C'est triste que les elfes n'arrivent pas à s'entendre. There is Alpha for French. C'est magnifique, mais la guerre gâche tout. Tu vois avec les yeux d'un enfant. À la guerre, un soldat ne voit la beauté que dans le sang de l'ennemi. Il oublie tout le reste. Parfois, à tout jamais. Toi... tu connais la guerre, pas vrai? Les guerres sont motivées par deux choses, la survie et le gain. Les batailles sont gagnées par les meilleurs soldats. Les guerres sont gagnées par ceux qui sont prêts à tout sacrifier pour s'assurer la victoire. Bonne nuit, ça, du coup. Des SMS, attention. Bonne nuit. Thanks, Mr. Joker. And welcome here. Bonne nuit, en tout cas. Fais de beaux rêves, à la prochaine. Ah, on a des amis. Oh non, 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 nouveau type de cauchemar. Atreus, avec moi. C'est bon? On les a eu ceux-là? Nickel. Nouveau bestiaire. Alors qu'est-ce que c'est que ces bestioles-là?
Des cauchemars noirs. Ces cauchemars peuvent nous aveugler un instant. Moi qui pensais que les cauchemars ne pouvaient pas être pires. Eh ben si. C'est ça. De même, madame. Bonne nuit. Parce que... je le prononce à la française. Au franglais, pour être plus précis. Parce que le début, game, c'est bon. C'est quoi comme jeu? Eh ben, comme jeu, c'est God of War. Le dernier qui vient de sortir. Oh, un ami! Un ami, rien que pour allez, nous! On y va! Allez, bonhomme! Bonne nuit, camarade. Oh, on fait des traces de pas sur le sable. On peut écrire des trucs, peut-être. Ça marche pas dans l'autre sens, c'est pas juste. J'aurais peut-être pu écrire E.T. dans le sol, mais ça a pas marché. Ah, je me suis... j'ai fait une bêtise. J'ai appuyé sur triangle pour lui faire tirer alors que c'est carré. Il y en a un autre, on l'entend. J'ai lu le chat au moment où le machin a plongé. Et voilà, petit. Je peux toujours pas ouvrir ces portes. Il va nous falloir quelque chose pour entrer. Mécanique de jeu. Ah, mais gameplay, c'est plus classe. Le mec, c'est qui en plus enfonce le couteau dans la plaie, quoi. Ok, sans avis, il y a un truc au-dessus, on va faire le tour pour aller le chercher. Alors. Comment je fais pour... Comment on fait pour faire du... plusieurs cibles? À mon avis, faut qu'en fait je me mette dans ce sens là, que je saute en face. Ah, je peux pas le casser. Voilà, et qu'on les casse d'ici. Non? On en fait 3 en face, on va voir peut-être. Je sais pas si je peux tous les avoir en même temps. Il me semblait avoir débloqué un truc qui me permettait d'avoir 3 cibles en même temps. Un truc à mettre sous la dent. Bah t'as bien raison. Que des armes qui cherchent les à se faire taper sur les doigts. Bah alors. Folie du géant de glace, attaque runique puissante. J'ignore à quoi cela a bien pu servir ce qu'on vient de faire. En tout cas, on a essayé. Thank you.
Je vois quelque chose. Orbe et gire. C'est quand même sacrément classe qu'on a en fond là-bas. Hein. Magnifique. D'après Sindri, Mère était une guerrière. Elle faisait la guerre aussi. En quelque sorte. Sa famille a été décimée par une famille rivale, et elle seule a survécu. Elle a vécu comme une guerrière, mais son combat était de continuer à vivre. D'affronter seule un monde sans pitié. C'est pour ça qu'elle a demandé à Sindri et Brock de lui faire la hache. Elle avait la force de manier une telle arme, et la sagesse d'en faire bon usage. Elle se faisait fort de protéger les faibles. Donc, elle aurait aidé les elfes ? Non. Non, elle les aurait pourris, hein, tant qu'à faire. Il y a un moment où faut pas exagérer, hein. Ah. Peut-être que j'ai bien fait les mains jusqu'ici. Drogueur professionnel, droit devant. Mais là, je suis tellement plus efficace qu'à une époque, ça fait tellement du bien de pouvoir défoncer des gugus aussi rapidement. Oh non, je trouve. C'est tellement plaisant. C'est pas ouf, je suis un peu du même avis, BG. C'est comme God of War 3, il y a un grain assez bizarre en fait. Mais en fait, je suis en train d'y penser, attends. Le grain est dans les options, donc peut-être que je peux l'enlever et que ce sera plus joli. Je sais pas si ce sera mieux. Il y a des choses qui sont magnifiques, il y a des passages, des lieux qui sont absolument superbes en termes de direction artistique, mais il y a quand même des endroits où bof bof quoi, je m'attendais à autre chose. Peut-être même mieux. C'est fermé, alors il y a sûrement un truc à faire dans le coin. Par où puis-je passer ici? Apparemment ça peut-être en passant par l'autre côté là-bas. Ok, d'accord. On va essayer pour voir. C'est bon, je suis passé. Le temps. Elle met vraiment trop longtemps à charger la visée de la hache. Il y en a qui va m'attaquer là, il est où? Là. Ah, c'est bon, t'as pas eu celui-là. Vas-y, viens là, coco. C'était pas loin, hein. C'était pas loin. Je crois qu'il y a une bestiole qui souffre ici. Ça se reforme, ok. Là, ça rappelle que par là, on n'avait pas cassé les machines. Et ça, c'est pas très malin, ça, c'est ce qu'il fallait qu'on fasse. Ah, c'est là qu'il y avait les gugus. Superposition de texture comme moi. Un truc avec Photoshop. Ça manque de, je sais pas, d'homogénéité. Ça dépend des fois, en fait. Il y a des moments où c'est vraiment magnifique, il y a d'autres moments où je trouve pas ça extraordinaire. On se croirait dans un jeu encore moins. Oh.
Judge. Deux sur trois pommes. Les plantes à détruire, là je suis pas encore assez efficace de mon point de vue. Et là j'ai fait la quiche parce que je suis passé derrière cette porte alors qu'il y avait des trucs à détruire apparemment. Donc Ah mince, par là, par plus là, je suis bête. Allez, on passe. Comment je vais pouvoir passer à travers ce truc? Comment je peux faire déjà disparaître ça? En imaginant que ce soit possible. Ou alors... Non mais dans l'autre sens, s'il te plaît. Non, c'est vraiment dans l'autre sens qu'il faut le faire. On a réussi. Ouais, c'est bon. Par contre, le machin là-bas, je crains ça, j'aime pas ça. La dernière fois qu'on a voulu s'attaquer à ce genre de truc, c'est mal passé. C'est bon, ça passe. Ça, j'ai pas trop envie de tenter tout de suite, hein, parce que ça va faire très très mal. Bon appétit, Divi. Curieux de savoir ce qu'ils nous ont mis là-bas. En face, ici. Ok, ça nous ouvre juste un passage. On l'ajoute à la collection. Butin de guerre, artefact éthique 2 sur 6. Bah, ça dépend des lieux en fait. Là, il y en a un qui est assez énorme, mais je pense que c'est pour l'ambiance. Parce que dans Milgat, il n'y en avait pas un aussi violent. Violent, pas violent. Des ennemis devant. Arrête, mais tire-toi, punaise. Bah ouais, je suis en train de mourir en même temps si je déplace pas quand je le demande. Lève-toi. Ouais, un jour peut-être, gamin. Un jour peut-être. Vers la loose et au-delà. Ah, la porte est toujours pas ouverte. 19, oui peut-être, je sais pas où est-ce qu'on en était. Je vais réessayer, mais ça m'agace en fait, que ce personnage refuse de faire son action. Aïe. Wow. C'est moi qui l'ai eu.
pour récupérer de la vie. Comme ça, c'est parfait. Vas-y copain. Ah mais non. C'est quoi cette caméra? Deuxième, c'est l'esquive, j'ai pas le choix si jamais je me loupe le en fait. Mais non, mais. Non. Ouais, tu m'étonnes, ça commence à te faire peur, quoi. Heureusement que c'est le dernier. C'est quoi ça? Non, punaise. Ah, punaise, ça m'agace, ça. Sans problème, autant le charme n'opère absolument pas, là. Bah, ça dépend des endroits. J'arrive. Ah, ceux qui peuvent me ressusciter si jamais je meurs. Vers la loose et au-delà. Mais je vais les torcher, les mecs, hein. Non mais il mérite pas un 20 sur 20. Il a des trucs absolument superbes, mais il mérite pas un 20 sur 20. De mon point de vue. Je peux les vaincre, mais c'est alors je peux pas essayer. T'es où? Esquive sur moi. Allez, esquive. Esquive, bouge-toi. Ah, oh, punaise, est-ce que ça me gonfle? J'arrive tout de suite. Non, mais dégage, tu veux pas de toi. Le personnage t'est coincé. Je pouvais ni esquiver à l'arrière, ni esquiver devant, ni esquiver à droite, ni esquiver à gauche. Merci, les gars. C'était ridicule. Alors qu'il y avait bien un espace où sûrement je pouvais passer, hein, mais non. Le jeu a décidé que non, c'était coincé. C'était fini. J'aurais pu peut-être parer, mais ça me gave. Déjà, on va rester par là. Éviter les soucis. Ok, un fait. C'est bon. Raté. Ah bah voilà.
Pourquoi j'aurais pu appuyer sur carré pour essayer de me sauver juste une fois? 21. Dernière fois qu'on essaie ce combat. Parce qu'après faut que ça coupe quand même. Je suis deg, on venait d'en éclater un quoi. Il reste tellement peu de vie. Je sais pas ce que ça apporte, on en a encore jamais réussi des trucs comme ça. T'as pas voulu. Mais bien sûr. Ça me gave. Je l'ai. Vas-y, dans ma vie. Je rejoins. Pourquoi l'utilise, ça me gave. Oh punaise. J'ai du mal à gérer en fait les enchaînements, mais j'aurais trop aimé pouvoir continuer parce que j'ai aidé des fois où le personnage vise à côté. Fantastique. Non mais je les ai eu, pourquoi il y en a encore d'autres là? Je comprends pas tout. C'est fantastique, oui, mais Ah. D'accord, ok, c'est bon. Poussière des royaumes, légendaire. On trouve cette substance informe dans les brèches du royaume. Elle permet de rehausser les propriétés de divers talismans. Merci, madame. Isaac, il me félicite pour un nouveau combat. Énormément, je suppose. Alors, on ferme les yeux dessus. Non mais là franchement le... Je suis pas quelqu'un qui fait ce type de gameplay en fait à la base. Là ça me va. Pourquoi ça veut pas m'exploser le truc? Ouais, j'arrive pas à avoir le pied dans le dessus. Ça y est. On peut descendre. Et apparemment il y a une petite porte à droite, là on va aller voir ce qui s'y cache. Curieux. Mangeons là-dedans. Ouh là là, c'est pas joli joli tout ça. Un troisième à voir là-haut. Il y a sûrement un troisième, mais où? Là-bas. Ok, j'ai compris.
Alors franchement, BG, j'ai trop parlé du combat, mais le deuxième combat que j'ai fait, la deuxième rediffusion, ce combat contre le mec, tu les ressens les coups, crois-moi, tu sens une violence, mais impressionnante. Et c'est d'ailleurs dommage, parce que contre ce mec, tu ressens une violence impressionnante, mais contre ces gars-là, rien quasiment, effectivement, comparé. Ce qui est un petit peu dommage. Mais vraiment, les autres, ils gèrent, quoi. C'est juste un peu dommage que celui-ci soit... Non ! Peut-être qu'ils vont se croiser plus tard au même endroit, on va voir. J'ai pas l'impression qu'ils vont repasser dessus au même moment. Voilà, non. Faut vraiment que je le fasse à l'instant même. Tu verras, il suffit d'aller voir le combat là avec le mec avec le tatouage. Ah, mais j'en attends un autre comme ça, mais j'attends ça quoi. Ouais, mais en même temps, il y a plusieurs mondes déjà, donc on est à peine au. Non! Parce qu'après, les autres combats, ils sont pas véritablement moins épiques. Mais enfin, si, ils le sont. Mais. Mince. Merci pour ton abonnement, Olivier Cornier. Bienvenue parmi nous, bienvenue dans ma bulle. Merci beaucoup. On va y arriver au bout d'un moment, je pense. Mais bon. Il y a rien à faire, il y en a toujours un qui se coupe pas. Parce qu'à mon avis, c'est ça qu'il faut faire, je vois pas quelle autre solution. Mal placé sinon. Tout ça pour un coffre. Ah bah voilà. Ouais c'est bien. Vas-y Aitris. Félicite ton papa. Oula j'ai pas vu qu'on a 50 minutes de rediff. Pour ce nouvel opus, et ça fait plaisir aussi pour moi, t'inquiète pas. Amulette de Kvasir, une esquive, une extremis, ça parfaitement synchronisé. Déclenche glissement de royaume qui ralentit les ennemis alentours. Ah, ça peut être intéressant ça. Je crois que je préfère récupérer de la vie en fait. Du coup, on va ressortir d'ici. Oula, à moins que c'est un Gibus qui va nous embêter. Mais protège-toi avec ton bouclier quand tu t'es pris le premier coup. Ah, quand même. Enfin. J'aime pas en fait parce que on a beau appuyer, il met un petit moment. J'ai toujours l'impression que ça met un petit moment quand on appuie. Donc je dois vraiment pas appuyer au bon moment. Bref, on va faire une coupure de rediffusion juste ici, passer à la rediffusion suivante. J'espère que celle-ci vous a plu, que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. On se retrouvera quant à nous très bientôt pour la suite des énoms, puisque le live continue pour le moment. Merci à vous tous, merci pour votre présence, merci pour votre participation. Pensez positif, n'hésitez pas à aller couvrir les vidéos des camarades filmeurs sur frappstéjeux.fr. Passez une agréable fin de journée, prenez soin de vous, et à ciao tout le monde. Salut !